Je vais voir maintenant si j'ai commis des erreurs. Je vais accéder à analyser, vérifier saisie, pas d'erreur, analyser, modéliser, pas d'erreur. Donc, ça va, c'est bien. Alors maintenant, je vais passer à l'insertion des nervures puisqu'il s'agit d'un plancher nervuré. Pour cela, je vais décaler des poutres déjà existantes qui sont normalement cette poutre-là et une portion de cette poutre, juste cette partie-là, et l'autre partie pour laisser cette partie qui est Alors, pour cela, je vais revenir au mode saisie. Oui. Puis, je vais entrer deux portions de poutre ici et ici. Puis, je vais insérer. Je vais désactiver tout d'abord les dalles, puis je vais insérer, plutôt je vais cliquer sur les trois poutres, puis je clique sur modifier, CAO, copier, je vais les décaler par 0,44 mètres pour avoir une seule copie de chacune. Et voilà. Alors je vais supprimer ces deux poutres que j'ai insérées tout à l'heure, et puis je vais changer la principalité des poutres tracées. Donc, je clique là-dessus, sur chaque poutre, puis je clique sur principal, échappe, et voilà. Alors, si je clique une autre fois, je vais trouver qu'elle n'est plus principale, et par la suite, c'est une poutre secondaire. De la même façon, je vais refaire de même pour les deux autres poutres. Voilà, alors, j'ai changé la principalité des poutres que j'ai tracées. Maintenant, je vais recopier ces poutres-là pour avoir des nervures tout au long du plancher. Et on sait bien que chaque deux nervures sont séparées par 33 cm, ce qui veut dire que pour une largeur de plancher de 5 mètres, on aura besoin de 13 copies pour couvrir tout le plancher. Donc, je vais insérer les trois nervures. Puis, je clique sur bouton droit, CAO, copier. Et 0,33 sont dans le sens DX. Et maintenant, je vais changer le nombre de copies par 13. Je clique sur OK et voilà. Donc, j'ai obtenu 13 copies de chaque poutre. Et bien sûr, si je clique sur n'importe quelle nervure, je vais trouver que c'est une poutre secondaire.